Fille aînée du duc d'Édimbourg et de la reine Élisabeth II et prince Charles pourrait succéder à cette très chère mère bien plus tôt que prévu. Affaiblie par la disparition du prince Philippe, la souveraine britannique serait en train de préparer les déclarations officielles de la régente en faveur de son fils aîné. Découvrez tous les détails. Charles bientôt régent des reines Élisabeth II qui fête ses 95 ans le 21 avril 2021 affiche encore une vitalité sidérante. Fidèle son statut de souveraine dirige d'une main de fer son peuple et n'a jamais failli son devoir. Les reines Élisabeth II posent pour une photo après avoir enregistré son message annuel de Noël tout en foyer de Joinjum de Buckingham Palace dans une photo publiée le 24 décembre 2018 à Londres. Photo des images cependant depuis quelques temps des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi elle allait bientôt laisser son royaume et son fils aîné Charles. Cette dernière étant encore particulièrement affectée par la disparition de son mari. La reine est au doute en train de préparer les déclarations officielles de la régente en faveur du prince Charles, rassurait l'historien de la famille royale Philippe Delorme. Le prince Charles. Photo des images, un grand changement syrien d'officiel n'a encore été communiqué ces derniers temps. Il est devenu de plus en plus fréquent que le prince Charles remplace ses mères lors des obligations officielles. A noter que si ce dernier devenait régent, sa mère resterait reine, mais ne s'occuperait plus des affaires royales. Le prince Philippe devrait quitter ses résidences actuelles de Clarence House pour le palais de Buckingham de Londres. Selon Robert Hobson, chroniqueur royal, la reine Elizabeth est consciente de son âge. C'est pourquoi elle fait de son mieux pour que le moment venu que la transition de la couronne se fasse en or. La reine Elizabeth est lors d'un déjeuner de Noël. Photot Max Mabib Betty Image, je crois comprendre que des reines ont réfléchi à la question ces derniers jours qu'elle envisagerait très sérieusement de passer les commandes. Charles peut expliquer le chroniqueur. Un anniversaire peu comme les autres décédés le 9 avril 2021, le prince Philippe a laissé un grand vide dans le cœur de ses proches et surtout dans celui de la reine. Très affecté par cette disparition, sa majesté bouleverse toutes les traditions. Et alors qu'elle fêterait ses 95 ans le 21 avril 2021, la veuve du prince Philippe a décidé de modifier quelque peu les coutumes. La reine Élisabeth II lors des obsèques de son époux prince Philippe. Photo des images.